Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des journaux d'humeur guerrière aujourd'hui, même si c'est de santé qu'il s'agit, de santé économique dans le Figaro, avec Martin Bouygues qui lance l'offensive contre Free. Il côtoie à la une la guerre désormais ouverte entre pharmacies et supermarchés, car l'avis favorable de l'autorité de la concurrence pour la vente libre des médicaments non remboursés suscite de nombreuses questions. Le Figaro se demande par exemple si les Français vont ainsi être tentés de remplir sans discernement leur chariot de médicaments. Pour le Parisien aujourd'hui en France, une brèche est désormais ouverte dans le monopole des pharmaciens qui s'opposent à cette idée, tout comme la ministre de la Santé. Le Quotidien a toutefois dressé l'ordonnance des médicaments libres les plus vendus en France, avec Doliprane, Humex et Nurofen en tête de gondole. En Europe, 12 pays maintiennent le monopole des pharmacies dans l'idée surtout de limiter le risque de surconsommation, comme c'est trop souvent le cas au Royaume-Uni. L'Europe qui est relancée par Berlin et Paris à la une du Monde, qui estime que l'accord sur l'union bancaire, qui vient d'être signé, est un pas important pour protéger l'euro, même s'il reste du chemin, selon le journal, dans ce lent rétablissement de la zone euro encore si fragile. Les politiques vont avoir un peu moins les oreilles qui sifflent. Guy Bedos et son regard malicieux est en couverture de Libération, avec un morceau de scotch sur la bouche, car l'humoriste fait ses adieux à la scène. Avant son ultime spectacle lundi, celui qui a fait de la revue de presse une partie attendue de ses one-man shows et l'invité spécial du journal, avec de nombreuses remarques pinçantes et sensibles sur l'actualité du jour et quelques citations comme celle sur l'avantage du pessimisme qui est qu'avec lui, on ne peut avoir que de bonnes surprises. Du côté de vos lectures du week-end, un thème imposé par l'ensemble des hebdomadaires, celui du passé, avec les favorites maîtresses et concubines qui ont fait l'histoire dans le Point, alors que l'Express promet de nous dévoiler les derniers secrets de l'histoire de France des rois maudits à Napoléon. Mais c'est l'histoire immédiate qui a retenu notre attention pour l'image du jour, à retrouver dans Courrier International, qui résume l'actualité de l'année 2013 avec les meilleurs dessins de la presse internationale, et celui-ci en particulier signé du Mexicain Dario, qui représente un point levé dans lequel on distingue le sourire de Nelson Mandela. C'est ainsi que l'on se quitte. Bon week-end.